c'est une réelle satisfaction au niveau de la communauté de Bofa pour avoir, n'est-ce pas, suivi cette formation avec Action Mine. Par rapport aux différents thèmes qui ont été développés, ça nous a permis aujourd'hui de comprendre d'abord qu'est-ce qu'on appelle le contenu local. Ça nous a permis aussi de savoir que la communauté est une partie intégrante, n'est-ce pas, des différentes sociétés minières qui viendront évoluer dans notre localité. Et sinon qu'avant, on se sentait, n'est-ce pas, à l'écart de ces activités. Mais à partir d'aujourd'hui, nous avons effectivement compris que nous pouvons participer au rayonnement à travers, n'est-ce pas, les multiples actions illisibles que nous pourrons faire à la société. Et nous pouvons profiter de ces exploitations minières par diverses formes. D'abord avec nos PME, avec nos PMU et surtout et avec nos groupements de femmes productrices. Ça pourra nous permettre, n'est-ce pas, même si nous ne sommes pas à travers direct, n'est-ce pas, de la société, ça pourra nous permettre d'engranger des bénéfices, mais même de façon indirecte avec la société. Ali fere rafi na mo ida kanere mo tin ka fi mo ha wali mo na wali fi huru huru mo ba fa mo no etanna amu dangi ma lu di ma le fena la ina bezo ma le di ma e mo khili mane contact na mo tagi e mo khili mo ha numero ma mo wa ma ji khasabi na ngom ma mo na namba ke ma mo khara samba itamma bon nanu sura meni mo sare su ma na nan kwi na bela khama sare na mo no ali fere tagi di le awol man mo no ali fere ga wol boru yo go yara ko tia fanyira ngay servi ga wa ko fere ma produire nan na wol mali bora mali fanyi alu mo garan ga ga fere ki yana re me mo ga na partenaire ya rabba ngwa man na ngoma mo ga continue na fari me nga formation fan soto mo ni tanga wol boru yo go yara anu nu nya ma fan ga gestion ma j'ai organisé les femmes, on a collecté, je les ai suivies, on est venu faire les modèles de piller, comme vous voyez, des potagers. Je les ai donné l'exemple, l'initiative a été très avancée. Une bonne chance est tombée. Il y a PACV qui vient avec un appui verbal. D'abord dire que oui, ceux-là, nous sommes venus aider, c'est-à-dire les femmes, pour lutter contre la pauvreté. Ils sont venus vers nous pour l'aménagement, c'est-à-dire d'un terrain comme ici, comme vous voyez. 2 hectares aménagés, 6 puits. Uto barfa formation naba moto siga khali mu harange ndena amu harange me kelfe mu koy suivi muna siga mu fanna ka araba e fambe kan kan bara kulu mu kelfe mi de mu siga fe mi de. Nous avons su aujourd'hui, si nous nous attelons à nos propres travaux, c'est ça qui est notre avenir, notre souhait. Que votre sensibilisation, votre formation, votre séminaire s'étend dans les districts, dans les localités impactées. Parce que tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, c'est le non-information du bas peuple. Ils n'y connaissent pas, ils ne savent pas et ils ne s'intéressent pas. La violence ne peut pas résoudre les problèmes dans les zones minières. L'idée que nous avons eue sur les codes miniers, ça nous a vraiment réconfortés. Et cette formation nous a permis d'être informés, d'être édifiés et de savoir comment nous devons travailler en partenariat avec les différentes sociétés minières qui viendront évoluer à Bofa. Donc voilà un peu ce que nous avons gagné aujourd'hui comme recette.